Bonjour, et je me nomme à l'état civil Aboka Kosiabeli, communément appelé Rasankara Aboka. Je suis artiste, plasticien, studio performeur togolais et je suis aussi directeur culturel d'un festival au Togo. Je travaille surtout sur l'art de la performance et j'utilise plus mon corps pour exprimer, pour apporter mes savoir-faire pour le développement de la société. Défendre, critiquer et apporter aussi des solutions. Ça fait déjà 7 à 8 ans que je travaille là-dessus par les créations dans les rues du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana et d'autres expositions. En matière de travail de l'Europe aujourd'hui, j'aime beaucoup le travail de la dame Abramovitz. Cette dame qui est notre maman de la performance, tu ne peux pas débuter la performance contemporaine aujourd'hui sans connaître l'historique, le passage de cette dame. Principalement au Togo, je me suis inspiré d'une personne que je rends beaucoup hommage qui s'appelle Calico. Dans l'espace fermé, dans les galeries, dans les institutions, qu'au contraire dans la rue où déjà tu as déjà le son, tu as lui, tu as la scène. Au moins le décor est déjà planté dans le coup. C'est le même exercice de ramener le décor que j'ai déjà dans l'espace public qui est plus large pour moi et de le réadapter maintenant dans un espace fermé. J'ai un grand projet personnel et puis pour le Togo, pourquoi pour l'Afrique, d'avoir le premier école d'art de la performance en Afrique et c'est le Togo. Et c'est la base de ce projet même d'école qui a mis en place le festival et mon art pour faire la transition, de mettre dans la tête à des gens en faisant des ateliers, des résidences. L'objectif principal c'est de faire la promotion de cet art au Togo. Il y a déjà des festivals au niveau du Ghana, au niveau de Congo et la dernière fois, la première édition au niveau du Bénin. Quand il y en a, quand il y a la performance, il n'y a pas de discrimination. Nous nous retrouvons dans l'unité, dans l'union. Et comme je dis toujours, à travers la performance, on pourrait réhumaniser l'humanité. Donc et voilà et l'objectif de ce festival est Mommy Arts.